Allez, je me lance. Coucou, je suis de retour après 8 jours d'absence sur les réseaux. J'ai fait un petit post sur Insta rapidement où je vous disais que alors ça ne me concernait pas directement, mais ça avait un impact assez important, ce qui faisait que je ne pouvais pas être présente sur les réseaux. Alors, c'est assez délicat parce qu'effectivement, mon absence, pour être tout à fait claire, parce que comme je fais des vlogs et de temps en temps, je vous en ai parlé tout au long de ces derniers mois. Et donc il s'agit de ma maman, vous avez suivi ses péripéties. Elle a eu tout d'abord l'oreille et ensuite elle a eu au niveau des douleurs au ventre. J'avais appelé parce que j'aimais pas trop. Voilà, bon, ça c'est. On va dire que c'est en cours. Elle a dû se faire opérer une première fois. Là, elle va se faire réopérer. Donc c'est pas une intervention qui est grave en soi. Et y a également le problème de son oreille. Elle avait une tache et ça faisait déjà 8 mois, au moins 9 mois, que elle comme moi, on cherchait désespérément un dermatologue. En vain, j'avais même fait un périmètre assez large. Toujours pas, il y avait toujours du 6, 7, 8, 9 mois, un an d'attente. Et on avait enfin pu voir un dermatologue, une cinquantaine de kilomètres de la maison, qui nous avait dit qu'elle aurait préféré nous voir plus tôt et nous aussi. Voilà, donc elle avait subi une première intervention et là, il va falloir qu'elle ait une autre intervention. Je suis là évidemment pour la soutenir, ça a été un coup dur pour elle, pour nous tous. Bon, moi déjà, je pense que je suis assez, même je suis plus là-dedans, mais au début, c'était un peu de l'agacement, de l'énervement, de me dire que quand même, c'est pas cool, on est en France, on n'est pas au fin fond du Pérou, comment se fait-il qu'une telle chose, ça prend de l'ampleur alors qu'on aurait pu, si il y a 9 mois, on m'avait répondu positif à savoir est-ce que je peux vous voir. Et tu te dis que non, parce que il y a un déficit de personnel, de professionnel. Enfin bon, ouais, ça m'agace. Voilà, donc ma maman est dans une spirale en ce moment à fond. C'est quelqu'un qui a jamais été opéré de sa vie. C'est pas hyper cool pour elle. Évidemment, ça nous met tous dans un stress. J'ai enchaîné avec elle tous les rendez-vous médicaux qui n'étaient pas forcément là, qui étaient toujours à une cinquantaine de kilomètres, des rendez-vous qui prennent du temps, rencontrer des spécialistes, enfin bon voilà, il y a eu beaucoup de rendez-vous. J'étais avec elle aussi puisqu'elle a eu une première intervention, donc le soir je restais avec elle, je m'occupais un peu des repas, du soutien psychologique, tout ça, l'anticipation, enfin bon bref, tout ça pour vous dire que je ne pouvais pas du tout être présente ici, j'en avais pas le cœur, du tout. J'étais pas bien, clairement. Là, je commence à remanger, mais j'arrivais plus à manger. Et de temps en temps, ça me le refait. J'ai là, au niveau de la trachée, ça s'est réduit. Moi, c'est quand je suis stressée. Je suis de retour, parce qu'il faut quand même que je travaille, évidemment. J'ai les box qui sont en production, là, en ce moment. Je vais d'ailleurs tout envoyer, enfin non pas tout, je vais faire mes premiers envois aujourd'hui, nous sommes le 20, ça a mis, voilà, je suis on va dire en retard par rapport à d'habitude de peut-être 5 jours, mais bon, ça reste, on est toujours en janvier. Et voilà, donc moi en parallèle, il faut que j'avance quand tu es ton propre patron forcément et que t'as pas, enfin d'associé, tu es toute seule, il faut quand même, ça ne s'arrête pas, il faut que tu continues, il faut honorer en fait toutes les commandes. Et il fallait également que je bosse à fond sur... Il va y avoir, comme je vous ai dit, une refonte de mon site, ça c'est cool. La box de février, je le rappelle, elle est là, croyez-moi, elle va être formidable. Donc, Escapade Parisienne, je vous en ai déjà parlé, elle est en commande jusqu'au 10 février comme d'habitude. Et donc, je travaille également dessus. Bref, j'ai repris petit à petit le cours des choses, même si, voilà, il y a quand même, enfin j'appelle ma maman tous les jours, hier j'ai pas pu passer parce que j'étais en prod toute la journée, mais j'essaie au maximum d'aller la voir, de passer du temps avec elle. Avant-hier on a fait une écho, tout ça, c'est ce qui explique mon absence. Je pense que vous êtes en capacité de le comprendre, hein, que parfois t'as pas le choix et il faut que tu mettes toi, ta vie, tout ça entre parenthèses, le temps que les choses se recalibrent, le temps que les choses prennent leur cours et puis que toi tu digères plus ou moins la chose, de façon à être en capacité après de soutien et de l'aider. Voilà, donc ce sont des coups durs, mais j'ai envie de dire, on est en 2023 maintenant, oui, et je pense que les choses ont évolué, la médecine a évolué, en tout cas je l'espère, j'ai envie de me raccrocher à ça. Eric est également là, c'est un soutien, même s'il a peur que je craque, il a peur, il est là, je vois, il contrôle dès l'instant où je suis un petit peu bien, non, allez, on se remet. D'ailleurs, il m'a acheté, c'était il y a 8 jours, je crois. Je passais à la pharmacie pour prendre d'ailleurs
C'est pas mal ça. Enfin, les fleurs de Bach, c'est mon médecin qui m'a conseillé. J'ai aussi quelque chose de plus puissant en cas de crise d'angoisse, mais j'ai pas envie de le prendre. Je l'ai, ça me rassure quand même au cas où. Mais il m'a dit, bah sinon, il y a une bonne alternative, ce sont les fleurs de Bach. J'en ai entendu parler évidemment. J'avais pas testé, me semble-t-il. Et donc là, j'ai pris le Urgence. Tu mets deux sprays en dessous et bah, franchement, j'ai pas compris le délire. Je l'ai fait qu'une fois. Moi, ça m'a calmé, mais surtout, ça m'a fait piquer du nez. J'ai pas compris. Bon, ça a l'air de bien agir. Et tout ça pour vous dire que voilà, je sortais de la pharmacie, on est passé devant Nocibé. Il me dit, viens. Je dis, non, j'ai vraiment pas le cœur, c'est gentil, mais non. Il me dit, s'il te plaît, un peu plaisir, achète-toi un truc qui te ferait plaisir. Et je dis, là, non. J'avais vraiment l'envie de rien, quoi. Et il a vu un beau coffret, il me dit, ça te plairait? Je dis, mais non, mais c'est de la folie. Il me dit, si, ça me fait plaisir. Donc, il m'a pris un coffret que je n'ai même pas ouvert. Je lui dis, c'était il y a 8 jours, parce que je savais que j'allais pas apprécier. Et c'est un peu dommage, donc je m'étais dit que de toute façon je le ferai avec vous, ce serait plus sympa, ça serait une motivation en plus. Je vais vous montrer, on va regarder ensemble. Je vais progressivement revloguer, parce que là en plus je vous dis, je vais terminer la phase de production, donc je vais être un petit peu plus libre, même si bah, vous imaginez bien que je vais être amenée à aller beaucoup aussi chez ma maman. L'avantage c'est que je vis pas très loin de chez elle, on est très proches l'une de l'autre, on a toujours été très proches, très fusionnelles. Et je ne me vois pas ne pas être à ses côtés et ne pas la soutenir, vous voyez. Ça, c'est juste pas possible. Chaque chose en son temps. Pour moi, ce sont des petites victoires dès qu'il y a une chose qui est faite. Voilà, on va avancer comme ça. Et coucou. Vous n'avez pas vu la jaquette? Viens, viens ma doudouille. Non, oh là, fais la tête. Je vais vous montrer le petit coffret. Attendez, je coupe. Je vous dis, il n'a pas fait semblant. Hein. Il avait peur que je flanche, clairement. Donc regardez, c'est le. J'en avais déjà eu un comme ça. Alors pas le même à chaque fois, c'est des pochettes, on va dire, mais c'est même des sacoches différentes ou des trousses. Et c'est les fameux coffrets à Noël Estée Lauder. Il y a plein de choses et qui coûtent quand même cher, quoi. Regardez. Il y a trop de choses. Je suis très contente. Et là, je me sens en capacité. D'ailleurs, c'est pour ça, je vous le dis, hein, je me sens un peu plus en capacité aujourd'hui de reprendre la caméra. Chose qui était encore impossible ces 7-8 derniers jours. D'ailleurs, la dernière vidéo, je crois que c'était où j'avais acheté des vêtements. Et je commençais la vidéo, je crois, en disant que j'allais faire les soldes parce que ça allait me changer les idées, vous voyez. Bref. Tu viens, mon bébé. Quand tu veux, hein, pour ouvrir, c'est long, c'est long. Par contre, je tiens à dire que nous sommes tombés sur des professionnels de santé à tout point de vue. Mais extraordinaire. J'avais une telle appréhension. Quand tu vois que c'est le bazar partout en France et que, effectivement, hein, les services d'urgence ou les hôpitaux sont submergés, sont sous-effectifs, je me suis dit, oh là là, on va tomber sur des gens qui sont fatigués, qui sont. Mais alors, humains, mais tous humains, du chirurgien à l'anesthésiste, à l'infirmière de garde, à l'aide-soignante, mais adorable, à l'écoute, rassurant. Avec de l'humour, elle a l'air assez conséquente. Ouf. Oh là là, ah ouais, c'est un vanity carrément, on est sur le vanity. Je sais pas si vous vous souvenez, j'en ai un qui a plus dans les bordeaux, qui est magnifique. Celui-ci est très festif, hein, avec les petites. Franchement, c'est top quand tu pars en vacances, t'as de quoi mettre. Hein. On est parti, ça je crois que c'est l'Advanced Night. Pour les personnes qui ne connaissent pas, c'est vraiment un sérum hyper réparateur qui te fait une très belle peau. Il coûte cher. Mais tu mets juste quelques petites gouttes matin et soir. Donc on a l'Advance Night. Je vais aller assez vite quand même. Hein. Nous avons le bébé Advance Night. Ça se trouve c'est le... Pour les yeux? Pas du tout, c'est le même version baby. Très bien. Waouh, deux rouges à lèvres. Donc ils ont été customisés pour l'occasion. Alors, ouf. Ah oui, regardez. Non mais alors, jusqu'au... regardez un petit peu les détails. C'est des flocons de neige, je crois. Il est beau. Il est beau, mais ce ne sont pas, je pense, mes couleurs. Et celui-ci qui est différent. Des flocons aussi, comme ça. Ah là, ah, quoique. Il est vieux rose, mais un peu foncé quand même pour moi. Mais ça serait peut-être plus dans mes tons. Celui-là, je vais le garder, je vais le tester. Parce que probablement, même s'il est foncé, je pourrais l'atténuer avec mes roses que je mets là. Une petite crème révélatrice de jeunesse. Ça n'arrête pas, hein. Franchement, il est top ce coffret. Ça, je pense que ça doit être se démaquiller, non? Super, donc démaquillant pour les yeux. Beau format, parce que
t'en mets jamais énormément. Ça fait très beau, hein, tout ça. Il n'y avait pas des palettes. Un gloss, donc pour le coup, il est très, 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 très rouge. Ouh. Très liquide aussi. Ça peut être joli, hein, en petite touche. Nous avons un mascara. C'est un extrême volume mascara. Bon, en général, les volumes mascara, attention, parce que ça peut faire des pâtés. Et deux palettes. Alors là, ça va être intéressant. Première palette. Alors, je ne mettrai pas tout, hein, parce que moi, tout ce qui est rosé sur les yeux... Par contre, effectivement, il y a des teintes plutôt marronnées. Ça, ouais, carrément. Tout ce qui est un peu plus foncé, ça va le faire. Attention. Ah oui, d'accord. Là, on est sur des blushs. Voilà, ok. Des blushs, donc ça, très bien. C'est une couleur. Je pense qu'il y a de la lighter. Et un blush. Nous avons également ceci. C'est comme Estée Lauder. Nous avons le format bébé. Pour quand tu pars en vacances, en voyage, c'est très sympa. Écoutez, c'est très complet. Je vais me le tester. Celui-là m'intrigue. C'est joli. Vous l'aurez compris ou pas? Je vais vraiment arrêter maintenant. C'était une amorce, on va dire, pour ce début de reprise. Et je vous ai dit, on repartira sur un format plus classique de vlog, un petit peu plus étendu sur tout le long de la journée, mais je voulais quand même discuter avec vous et puis, vous l'aurez compris, vous expliquer ce qui se passait en ce moment dans ma vie. Voilà. Mais en tout cas, je vous fais un énorme bisou. Tu peux venir? Non? Et on se dit à très très vite pour la suite des vidéos. Et pour les personnes qui ont commandé la box de janvier, pas d'inquiétude, nous sommes donc aujourd'hui le 20. Vendredi 20 janvier, je fais les premières expéditions demain et ça va s'étendre jusqu'au 23. Donc elle va très bientôt arriver et j'insiste sur le fait que les box à venir et la box de février notamment, Escapade Parisienne, un petit bijou. C'est magnifique, une box super belle. Je vous embrasse, à très vite, ciao.